Monsieur Brière? Oui, go. Bonjour. Oh, attends un petit peu, François. Non, OK. Il y a un delay, là. Oui. OK. Là, c'est une minute, vous avez des folies. Ouais. Non, vous êtes filmé, là. Arrêtez. Okay. Unless they can read lips. Il faut attendre le OK de... Des mains, OK. Oui. Je veux faire installer une télévision là, pour qu'on puisse voir. Voulez-vous un gros recap là, pour chaque train pour que ça commence ou juste une commentation? C'est quoi? Oui, du contexte. Un recap de oui. Passé. Oui. C'est ça. Par 2000, vous n'aurez pas ça. OK. Toi, tu as l'étude? Qu'il avait dit. Pardon? Oui, c'est streaming. It's streaming. OK, bonjour, good afternoon. I've been told that we are now live, so we'll go to the opening of the assembly. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par... Oui. Conseiller Forgue et appuyée par... Oui. Conseillère Lantier. OK. Tous d'accord là-dessus? Oui. OK, adopté. On va... L'ouverture est faite. Modification, addition à l'ordre du jour. J'en ai aucun, monsieur le maire. OK. Les conseillers, conseillères? Non. OK. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante, le cas échéant. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Tous d'accord? Oui. Mm-hmm. L'adoption. Déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des conflits? Non. Nom de vue, Mme Brizard. Oui. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes, là, tenu le 28 septembre. Qu'il soit résolu que le procès-verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 28 septembre 2020. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseillère Lantier. OK. Proposé, adopté. Des questions, commentaires, corrections? Tout le monde d'accord d'avoir les acceptés? Oui. Merci, sont adoptés. On va à l'item numéro 7. Monsieur Marc Legault, directeur des travaux publics, rapport TP27-2020, Pontchartrain. Allez-y, monsieur. Bonne fin d'après-midi. Oui, pour le Chartrain, le pont Chartrain, je vous avais mis un rapport pour la fermeture du pont le 1er décembre cette année. Pour faire une petite récapitulation du pont, en 1998, il y avait une étude de fait pour les États-Unis voulaient le fermer dans ce temps-là. Une étude était faite, ils ont fait des réparations assez majeures aux abattements à chaque bout. Qu'est-ce qui tient le pont? Les deux piliers de ciment, un, il s'affaisait. Donc, c'était réparé, ils ont essayé de protéger ça avec l'érosion, et ainsi de suite. Puis, ça a fait son temps. Puis, en 2011, on a eu un autre rapport de notre ingénieur qui disait que le pont continuait à se détériorer, puis beaucoup. Un des piliers continuait à s'affaisser. Donc, le pont
tranquillement, là, avec la terre, il écrase, là, symbole, là, puis il est très, très... les poutres en dessous du pont, le tablier, sont perforés. Le dessus du pont, si on va voir, les rivets sont même fendus. Le pont, il a fini sa vie. Là. Il a du marrow fatigue, comme on dit en anglais. Il ne peut plus le prendre. C'était un pont qui a été bâti dans les années 30. Puis si je me souviens bien, que notre ingénieur nous avait dit que le pont n'était même pas mis quand il était en milieu. Donc, ça a de l'âge. Donc, il a travaillé, il a tout fait. Les approches ne fonctionnent plus. Donc, il était cédulé peut-être fermé en 2023. Mais ça, c'est après qu'on ait demandé à Harold le plus loin possible qu'est-ce qu'il pensait de ça. Il n'était pas à l'aise avec ça. Donc, il est venu et a dit l'an prochain, absolument, 2021, il faut absolument fermer ça. Donc, j'ai pour me dire, si on peut le fermer ce printemps, on peut aussi le fermer au 1er décembre et éviter les nettoyages de neige. Les nettoyages d'hiver. Pour la simple et bonne raison, il est très dur à nettoyer. On doit envoyer un contracteur avec une blade et essayer de faire saler ça. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est la fin maintenant, on est rendu là. C'est quelque chose qu'on savait qu'on t'a pu voir le jour. Ça n'a pas une vie éternelle, ça, le pont. Je sais qu'on va avoir des plaintes. Ça affecte quelques personnes, mais la sécurité de nos résidents, c'est primordial. Il faut faire attention à ça. J'ai parlé à Rose, j'ai demandé si on peut rester les piétons, les gens en bicyclette à passer. Il dit oui, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, qu'est-ce que j'étais pour faire? C'est de fermer le pont même. Il restait un espace de 30 à 36 pouces que les gens puissent le marcher ou passer en bicyclette. Aucune voiture motorisée va passer sur le pont. Donc, c'est un gros compromis, mais ça peut être ça. Donc, puis l'autre chose que j'ai fait, j'ai regardé la distance avec la fermeture, qu'est-ce que ça va donner? J'avais parlé à la conseillère Lantier. Puis, on parle d'un détour de 8,2 km ou de 5 minutes en auto. C'est sûr qu'en tracteur, fait des machines agricoles, ça va être plus lent. Mais en auto, c'est un détour de 5 minutes. C'est pas majeur. C'est pas 25 minutes. Mais là-dessus, pour les agriculteurs, la plupart des machines agricoles aujourd'hui ne pouvaient pas passer dessus quand même. Exact. Je vous recommande aussi qu'il va être fermé, mais il va être fermé permanent. Les poutres vont être vissées dans le tablier, donc ça ne s'enlèvera pas et ça ne s'enlèvera pas là, à la guise de personne. Sinon, si on commence ça, bien. Donc, la fermeture du 1er décembre, une fermeture permanente. Pour ce qui est de la décommission du pont, je me suis informé des coûts pour l'enlever complètement. Puis on parle d'un minimum de 500 000 $. Donc, pas attendre. Il n'est pas prêt à tomber, mais éventuellement, il va falloir que ce soit enlevé de place. As-tu des questions des conseillers? Non, j'ai eu la chance de parler avec M. Legault, puis on a parlé durant mon premier mandat. Oui, je sais que le pont est utilisé particulièrement pour parler les fermiers, pour s'éviter un détour. Je pense que lorsqu'on regarde le pont, on voit qu'il est rendu dangereux pour le trafic ordinaire. Alors, encore plus pour l'équipement de ferme, où est-ce que c'est très lourd. Puis aussi pour le déneigement, évidemment, ça peut devenir vraiment dangereux même pour nos employés, parce qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir quand il va y avoir un bris, mais on sait pertinemment que le pont, il est à la fin de sa vie. Puis on a beau retarder la fermeture, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre
une action décisive. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix que de le fermer, puis de s'éviter aussi, si on le fait maintenant, de s'éviter le nettoyage du pont pour cet hiver, puisqu'il sera fermé de toute façon l'an prochain. C'est quand que notre ingénieur a pu mettre son étampe dessus. Il faut vraiment l'écouter. Là. C'est, parce que si jamais qu'il arrive quelque chose, on est à la vie de risque de poursuite très grosse. Il y a une lettre d'attaché au rapport de notre ingénieur qui lui fait des fortes recommandations aussi. De faire. Puis oui, c'est une bonne idée, je pense, quand même, de laisser un espace pour les gens en vélo. Mais, comme vous dites, en s'assurant que ce qui est là pour bloquer va rester là, puis que les gens ne seront pas libres de les enlever parce que ça peut arriver. Il va être vissé dans le pont, dans le tablier. Donc, si quelqu'un, l'arrache, puis bien, il peut se retourner dans l'eau. Là. OK. All right. C'est bon. Là, il y a une recommandation. Là, et oui. Oui, M. le maire. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport TP27-2020, afin que le département des travaux publics soit autorisé à entreprendre les étapes pour la fermeture permanente de l'accès au pont Chartrand sur le chemin Dixon Factory par le 1er décembre 2020. Proposé par... Oui. Conseillère Lantier et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. Tu as d'autres questions? Non. OK. Tout le monde d'accord? Oui. OK. Adopté. Prochain. Merci. Est-ce que Doug, il va venir faire? Oui, il va aller le chercher. OK. Juste en attendant, excuse-moi, je peux-tu retourner sur les minutes du meeting? C'est parce qu'en français, à 7.1, c'est proposé par Marie-Noël, puis secondé par Danick. Puis en anglais, c'est secondé par moi, puis j'ai pas secondé ça du tout. Oui. Puis il faudrait aussi mettre le vote et enregistrer là-dedans. Il faut que ça soit public, ça. C'est mon erreur. Je vais corriger les procès-verbaux. Excuse-moi, j'ai manqué ça la première. Le first go-round. Good catch. Oui, alors on va corriger ça. Alors. Excuse-moi, gang, j'allais. Non, c'est correct. D'abord. Pas tourner sur nos pieds, nos pauvres. Oui, je vais les corriger. Je vais les apporter à la prochaine réunion. Okay. D'accord. Est-ce alors, j'aimerais qu'on défait la première proposition. Oui. Excuse-moi, oui. Comme c'est qui avait proposé pour seconder tout à l'heure? Alors, ça a été proposé par conseiller Forgue et appuyé par conseillère Lantier. OK. Mais conseiller Forgue, madame Lantier. C'est pas plutôt l'inverse? Non, êtes-vous d'accord qu'on allume ça, qu'on va le repasser aux prochaines réunions? Oui. All right? Okay. OK. Good. OK, merci, conseiller Brière. Excuse-moi, là, je... Non, c'est correct. Marie mon coup. Good. Monsieur Renaud. Oui, bonjour. Les eaux usées. Take your mask off, too, please. put it back on. fait que vous avez une recommandation de le département de l'eau plus haut. C'est une recommandation concernant l'entente avec Clarence Rocklin. Mais qu'est-ce qui concerne le comité de gérance pour de l'eau? Fait que la municipalité de la Nation et Clarence Rocklin font nommer des membres pour siéger sur le comité. Trois membres chaque municipalité. Fait que l'exécutif puis moi, on a décidé qui on penserait, on aimerait nommer sur le comité. Fait que vous avez les trois membres sur la recommandation. Qui se trouve être moi, le directeur de planning, Blain, puis le trésorier, Cécile. C'est une terme de 4 ans. Puis, fait que pour ça, c'est pour la gérance de le comité pour le projet d'eau en général. Fait que des meetings, des réunions qui vont se faire
probablement une fois par mois après qu'on ait construit, la construction est finie. Durant la période de construction, notre comité de construction, disons, pour nous autres, ça va être le comité exécutif. Fait qu'on va réunir, on va tout amener toutes les étapes de construction à le comité. Mais ce comité-là, c'est pour mettre en place plutôt les contours en opération. Mais dans l'entente, on avait écrit qu'on était pour avoir notre comité 60 jours après qu'on commence notre entente. Fait que c'est un peu ça la recommandation aussi du conseil de corps. Ce serait les membres qui vont siéger sur ce comité. OK. Et puis, après chaque réunion, si on aimerait savoir un compte rendu, là, quelque chose des minutes, là, oui, il va y avoir parce que, comme c'est là, il n'y a pas de politicien là-dessus, mais ça, c'est correct. Mais il va y avoir un politicien, c'est quand pour le développement, pour la construction? Absolument. Puis les termes de référence pour le comité, on va vous amener, les deux comités vont amener les recommandations au conseil. Les décisions vont être prises par les conseils municipaux. OK. Tu as des questions? Non, moi, je suis correct avec ça. Parce que ça, c'est quand que... Ça vient assez technique, ces discussions-là. OK. D'autres choses? Oui. Non? Alors, j'ai une résolution ici. Mm-hmm. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport WS 13-2020. Afin que le directeur de l'eau et des eaux usées, le directeur de l'urbanisme et de développement économique et la trésorière soient nommés au comité de gestion de l'eau pour le premier mandat de 4 ans jusqu'à l'automne 2024, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Forgue. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Est-ce que Mme Scott, ici? Oui, alors, M. Renaud va aller chercher conseillère. Okay. Voyons, conseillère. Mme Scott, pour ces deux rapports. Merci, Dan. Hello. Bonjour. I think maybe he turned off the mic. I want to make sure. Puis tu peux enlever ton masque aussi. C'est vert, est-ce que... Can you hear me? Yeah. Vas-y donc, Caroline. Assez proche, ouais. Hello. Non, alors... La petite lumière. La lumière est rouge, alors il faut juste... Ça. Tu as juste apaisé dessus, je crois que ça va. We're going to need batteries for those. OK. Ça mange les batteries beaucoup, ça. Oui. OK. L'item rapport RE11-2020, évaluation des conditions des installations. Madame Scott. À l'une des recommandations du plan directeur, il était pour avoir des évaluations des bâtiments de récréation. Et aussi pour les études des installations et le AODA, qui est l'accessibilité. C'est la loi depuis 2005. On a déjà eu quelques inspection, mais pas à ce niveau-là. Alors, on a sorti un request for proposal, puis on a eu 6 compagnies qui ont retourné des votes, des propositions. On avait un budget de 23 000 alloués dans le budget, puis je suis fière de vous dire qu'on est très proche de notre budget à 23 500 plus taxes. La compagnie McIntosh Perry a eu. Alors, on a déjà fait des choses avec cette compagnie aussi. On a une expérience avec McIntosh Perry. OK. Es-tu... Your comments... separate supplementary. ASHRAE Level 2 Energy Audits.
Ça, c'est, je peux vous dire qu'on a demandé ça. C'est une question qui est revenue quand on a sorti le proposition. Puis, ils ont dit c'est un energy audit plus détaillé. Mais quand les prix ont rentré, c'était comme double notre budget. C'était un autre 25 000. Alors, je trouvais à ce point ici où ce qu'on est, on a des améliorations à faire à nos budgets. Mais peut-être mieux de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire tout de suite, puis regarder okay. cette option plus loin. All right. OK, merci. Tu as d'autres questions, membre du conseil? Moi, j'ai une question. Oui. Quand ils vont faire l'inspection, est-ce qu'ils vont faire une inspection juste préliminaire au niveau de l'énergie? Est-ce que... Oui, c'est certain. Ils vont regarder puis ils vont dire, votre fournaise, il y a 20 ans. OK. C'est certain, une nouvelle fournaise va être plus efficace aujourd'hui qu'une mm-hmm. fournaise de 20 ans passée. Mm-hmm. Puis oui, il va avoir un plus bon niveau. OK. Là. C'est beau. Merci. Mm-hmm. Oui, conseiller Brière? Moi, c'est juste les lignes de temps. Comment longtemps qu'ils vont prendre pour venir à bout d'avoir comme le portrait global de tout? Oui, on a demandé que le rapport final soit soumis pour le 31 janvier. OK. Ça okay. donne quand même avec le mois de décembre en fait, là, mais ça donne quand même 2-3 mois okay. pour compléter l'ouvrage. C'était une des conditions. Good. Puis quand que, dans le fond, ça c'est vraiment tous nos centres communautaires, est-ce que ça inclut aussi Limoges ou est-ce que c'est avec le conseil scolaire? Le conseil scolaire. C'est le bâtiment trois... qui devrait être déjà évalué parce que c'est une école. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà fait au travers toutes les écoles. Mm-hmm. C'est les trois centres communautaires, dans le fond. Oui, quatre. Ouais. Les quatre, oui. Oui. Okay. Good. D'autres choses? Non? J'imagine que c'est tout. Donc, ça inclut l'aréna, tout. L'aréna, le centre communautaire Fournier, Saint-Albert et Saint-Baradin. Puis c'est de A à Z, les fenêtres, le toit. Puis qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous donner, c'est une liste de priorités okay. pour les prochaines. Qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce que ça peut attendre un an, 6 mois, 10 ans? Ça va être, on va être capable de faire notre budget pour 10 ans basé sur leur liste de priorités. Il sera-tu en mesure aussi de juste dire que ça ne vaut pas la peine de mettre l'argent là-dedans? Ou... Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? C'est le prix aussi. De ouais. Pas juste c'est quoi qui a besoin d'être fait, mais comment ça coûte. Ouais. Qu'est-ce qu'ils prévoient ça va coûter? Parce qu'avoir une analyse des coûts aussi, là, que ça vaut-tu la peine de mettre ça là comme... Exact. OK. Tu vas voir c'est quoi la priorité, combien ça coûte, puis à ce point-là, on peut décider est-ce que ça vaut la peine ou non. Mm-hmm. Okay. Oui, je pense pas qu'eux sont prêts nécessairement à s'engager, à nous dire si ça vaut la peine ou non. Les autres, ils disent que c'est au conseil de décider, là. Mm-hmm. Mais je pense que le fait d'avoir... Parce que ça, c'était ma question. Est-ce que s'ils identifient certaines choses qui doivent être changées, est-ce qu'en même temps, ils nous donnent le coût de ça? Parce que ça, c'est important. Parce que juste nous dire, bien, il faudrait considérer ci ou ça, c'est une chose, mais on veut savoir le coût qui est rattaché à ça, justement, pour pouvoir prendre une décision et dire, bon, bien, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait? Puis aussi voir les choses qui sont urgentes, ça aussi, c'est important. Alors, c'est certain, ils vont nous donner le coût de prix aujourd'hui. Mm-hmm. Puis si on décide qu'on fait ça juste en 10 ans, c'est certain que le prix va avoir augmenté, mais c'est à nous de prendre ça en considération aussi. Mais il va y avoir une liste. On avait mis comme une liste critique. Qu'est-ce que ça peut attendre un an? Qu'est-ce que ça peut attendre 2 ans? Jusqu'à 10 ans. Mm-hmm. Ça va être tout noté, puis c'est quoi la condition de tous les états. Et ça ne va pas inclure les choses qui sont esthétiques. Ça va inclure seulement les choses qui sont de façon structurelle, exactement. De façon d'énergie, puis le adapté à la mobilité pour les gens de mobilité réduite, oui. mais pas le cosmétique. Non. Okay. Elle n'inclut pas les parcs de jeux, les parcs pour enfants, tout. C'est juste les centres communautaires. Exact. Nous autres, on a déjà des personnes dans la municipalité qualifiées pour faire des structures de jeu. On a un employé en place qui est déjà qui certifie de faire des installations de jeu, des structures de jeu. Si on sait qu'est-ce qui n'est pas bon, ça a besoin d'être changé. OK, merci. C'est bon? OK, on va passer à la résolution. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport RE 11-2020, afin que la proposition soumise par McIntosh Perry au montant de 23 500 $
TVA Chansu soit accepté pour l'évaluation de l'état des installations et les évaluations de la LAPHO. C'est pour l'accessibilité. Alors, proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville? OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. 7.32, surveillance pour les locations de salles. Avec le COVID, ça a changé beaucoup, hein, là? Mm-hmm. Oui. Avec le changement le 19 septembre, pour avoir des rassemblements dans une bâtisse publique, ça prend la surveillance. Nous autres, on a passé nos règles pour le COVID, mais cette règle-là a eu un grand effet pour nous parce que beaucoup de nos activités sont des activités normalement sans surveillance. Nos prix sont basés que c'est une activité sans surveillance, alors ça ne fonctionne plus. On veut continuer d'offrir des services au public, mais à un moment donné, un shower de bébé qui dure 8 heures, tu sais, par le temps le monde aille là, il décore, puis là, il passe 4-5 heures avec les invités, puis on reçoit 100 $ pour l'activité, mais là, j'ai besoin d'avoir un employé sur les lieux pour surveiller. Puis on a vérifié c'est quoi la surveillance. C'est au moins vérifier à tous les heures qu'est-ce qui se passe, de checker pour faire certain que le monde suive les règlements, qu'ils portent leur masque, qu'ils ne donnent pas du manger, pas comme il faut. On est responsable. On est le propriétaire de le bâtiment, puis on est responsable pour vérifier que tout passe comme il faut. Avec nos bâtisses, on a 3 bâtisses qui sont complètement indépendantes. On a l'aréna à Saint-Hilaire, c'est certain qu'on a la salle qui est sur le 2e étage. Oui, on a des employés déjà dans la bâtisse, on peut faire plus de surveillance, c'est plus facile. C'est plus facile d'aller vérifier cette salle-là. Mais on ne peut pas traiter le monde qui loue une place à l'autre différemment. Il faut qu'on mette une règle en place pour tout le monde. Alors, vous avez offert quelques recommandations au niveau. On a regardé qu'est-ce qu'on charge comme prix puis qu'est-ce qu'on peut faire. Avec option A, on vous donne, on ne change pas le prix, puis on offre 3 heures avec du personnel surveillé dans le bâtiment. Le monde peut venir décorer à l'avance. Ils peuvent être jusqu'à 10 personnes sans avoir surveillance. Ça, c'est la loi à un moment. Mais quand ça vient temps d'avoir vos invités, bien, vous avez juste droit à 3 heures avec un employé dans les lieux, sur les lieux. Puis, on break even. On ne fait pas un gros montant d'argent, mais au moins, on offre quand même un service. C'est certain, dans ces temps difficiles, pas tout le monde travaille, on ne veut pas nécessairement commencer à augmenter les prix. Mais on vous avait donné quand même l'option B, qui c'est, OK, vous voulez être là 8 heures, vous payez 20 $ par heure pour payer un employé pour servir. L'autre problème qu'on se rend compte, c'est qu'on a beaucoup de parties de famille, des parties privées qui arrivent dans le temps de Noël. Je peux vous dire, j'ai checké aujourd'hui avec les dates que je vous avais mentionnées du 24, 25, 26, 31 et 1er janvier, il y a 9 locations dans les centres communautaires. Je n'ai pas le personnel pour couvrir ces heures-là. Puis ces journées-là. Alors, c'est pour ça qu'on a recommandé, spécialement pour ces journées-là, c'est d'annuler les locations. Mmh. Aussi, je pense qu'on a une responsabilité comme municipalité de dire, est-ce qu'on veut que le monde se réunisse en grosse activité à 50 personnes? That's the question I'm asking. Is it even worth putting on the lights? Because... Ben, pour moi, c'est non. Moi non plus, honnêtement, parce que, gars, c'est bien beau d'offrir des services, mais t'encourages le rassemblement. Puis, différents niveaux de gouvernement, ils sont là pour vraiment décourager ça. Oui. Nous autres, à notre niveau, on dit non, c'est correct. Fait que moi, je pense que c'est, on envoie des messages mixtes si on offre ouvrir les portes, les fenêtres, les lumières, pour vraiment contredire l'autre main. Là. Fait que je pense qu'on serait quasiment mieux de juste mettre notre focus ailleurs. Peut-être avoir ses employés, faire d'autres choses, peut-être, en tout cas, juste que passer le temps là-dessus. Là. En tout cas, c'est mon opinion. Là. Je peux vous dire qu'on a quelques business qui cherchent à faire des réunions annuelles, des choses de même, puis qui ont besoin de faire ça dans un lieu où ce qui peut accommoder plus de monde, puis ils ne veulent pas le faire virtuel. Je garde la fromagerie, ils ont fait la réunion annuelle. Ils nous ont demandé d'aller faire la réunion-là. Ils ont suivi tous les règlements. C'est plus pour ces activités-là. On n'a pas eu beaucoup une funéraille encore, mais... OK, parce que c'est terrible. Je vois les dates, là, pour les assemblées familiales privées. 24.
C'était à la fin de décembre. Là. Ça a encore un petit peu de temps, mais on pourrait-tu les avertir? Tout probable, ils vont être cancellés. En espérant que ça va se régler plus tard. Sinon, ils ont été avertis qu'ils peuvent être cancellés. Parce que là, on est au commencement d'octobre, c'est je trouve ça un petit peu vite. Mais moi, je suis d'accord avec ce que le conseiller Brière apporte. Je pense qu'on a aussi une responsabilité de le décourager, numéro un. Numéro deux, quand ça arrive surtout à des rassemblements de famille, c'est pas comme une assemblée annuelle où est-ce que, tu sais, bon, premièrement, tu as de la boisson, tu as des choses qui se passent, c'est un événement social. Contrairement à une assemblée annuelle où est-ce que, bon, tu as ta réunion, on a fini, tout le monde s'en va. Puis pas que... encore là, je sais qu'on ne va pas commencer à dire, bien, OK, si on ne l'accepte pas, ça devient difficile. Mais je pense que même pour l'action de grâce, les gens doivent commencer à regarder à d'autres façons de se réunir. C'est ça. Puis moi, je ne pense pas que ça va se régler avant les fêtes. Je pense qu'on a encore pour un bout. Puis, si on ne veut pas... encore là, le message qu'on passe, c'est que c'est sérieux. Je veux dire, on ne savait pas au moment qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, une deuxième vague. Là, on le voit. On voit les chiffres qui montent à tous les jours. Moi, je donnerais autant de temps que possible pour que les gens puissent faire d'autres arrangements ou s'organiser autrement. Mais ça c'est position. Juste pour être clair, est-ce qu'on suggère de fermer les centres communautaires ou seulement pour des réunions de corporation? Il y a une façon de séparer, capable de voir entre les deux, puis pour les réunions. Pas d'activité familiale, pas de gatherings de famille. Il faut que ça soit soit un business ou... On n'a pas encore eu une funéraille. Est-ce que ça pourrait être durant le jour, c'est qu'on a des employés qui peuvent faire comme des drop-in assez fréquemment, ou c'est qu'on n'a pas besoin de payer quelqu'un après after hours? Là. Comme ça peut être incorporé dans ses tâches de journée. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Tant qu'à avoir quelqu'un mis de côté pour seulement ça, écoute, là, je viens de dire que tu travailles sur un projet, puis là... Toutes les 45 minutes, arrête voir, puis tu reviendras. Comme, tant qu'à payer quelqu'un de l'extra, là, comme tu comprends ce que tu veux dire, on peut-tu l'avoir des locations avant 5 ans? Je ne sais pas, je vais mettre ça de même. Là, parce que si c'est une assemblée annuelle, il y en a qui le font le soir, là, Les employés mineurs de l'association ont fait leur réunion l'autre soir à l'aréna. Mais j'avais déjà des employés dans place parce que c'était à l'aréna. Puis la réunion s'est bien lieu, ça a bien été. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a même pas 20, là. Il a besoin de s'inscrire à l'avance. Puis l'autre chose, c'est qu'avec une réunion annuelle, l'organisme est responsable de s'assurer qu'il y a une supervision, de s'assurer qu'il y a des règles de distanciation. Alors, il y a quelqu'un qui est tenu responsable pour ça, puis qui, en principe, devrait bien connaître toutes ces règles-là. Tandis que pour des rassemblements sociaux, sans vouloir pointer les familles, là, mais n'importe quel rassemblement social, c'est pas la même chose. C'est pas une rencontre, parce qu'une assemblée annuelle, c'est une rencontre professionnelle. Là, c'est dans le cadre des affaires de l'organisme. Moi, je pense que... puis je ne sais pas si on a beaucoup d'assemblées annuelles. C'est ça. Combien de locations qu'on jase? Si on dit zéro à rien, on perd combien? Là? Ben, je regarde dans le prochain mois d'octobre, novembre, je pense qu'il y a deux réunions à l'aréna pour... Des assemblées annuelles. Bien, c'est pas juste une assemblée annuelle. Poultry Association. Des réunions de même que, jusqu'à date, ils ont resté là. Ça n'a pas été annulé. Chasse-Saint-Albert, il y a pour la construction de la résidence La Joie, on se rencontre une fois par mois, le conseil d'administration.
c'est espacé sur le plancher de danse, là, mais ouais. C'est 10 personnes espacées. On n'a pas beaucoup de demandes, mais on a quand même des demandes pour certaines activités. Mm-hmm. Comme je donne un exemple, il y avait des réunions annuelles qui sont besoin d'être faites parce qu'ils ont déjà été retardés pendant l'année, puis ils pourraient faire de les faire. Il y a bien de ces organismes-là, ils ont une constitution à suivre. Il faut qu'ils font qu'il y ait leur AGA assez de bonheur. Ils peuvent le retarder, mais ils ne peuvent pas l'éliminer. Exactement. Un autre mot, c'est qu'on l'oublie, option A et option B. On donne juste l'option des rassemblements corporatifs ou quelque chose de moins. J'aimerais mieux ça. C'est tout ça que j'ai bien compris. Et puis, préférablement le jour, pour avoir que nos employés sont sur le lieu. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre. Je pense que oui. En tout cas, ouais. je pense que c'est un bon message. Je pense. Je suis d'accord avec vous. Parce que, comme j'ai dit, moi, je vois ça continuer à. Puis, à tous les jours, il y a des annonces que les restrictions commencent de pire en pire. Puis, nous autres, on dit l'opposé. Mm-hmm. Viens faire des parties chez nous. Ouais, it's a mixed message. I think we need to toe the line with all the other levels of government. Les autres municipalités autour? Comme mentionné, il y en a une qui n'a même pas ouvert ses portes des centres communautaires depuis qu'il y avait droit. Alfred et Plantagenet sont fermés. Il y en a Russell, ils ont beaucoup de locations. Ils ont plus de demandes pour les centres. Mais ils sont direct à côté des arénas. Ils ont des employés direct à côté. Ouais. Comme leurs centres sont situés mieux que nous. Mm-hmm. Alors, c'est plus facile d'avoir la surveillance. Ils ont des employés qui peuvent aller checker à toutes les heures. Ils veulent avoir des plus gros centres parce que tant de pieds carrés, tant de personnes qui peuvent rentrer. Exact. Comme la salle à Fournier, il n'y aura pas gros. Non. Ça, c'est. Il reste juste les grandes salles. Il y a 3 grandes salles. Mais encore là, c'est. Moi, j'aime bien l'idée de M. Brière. Pendant le jour, parce qu'on a des employés sur le site, et puis que s'organise. Sinon, on ne peut pas les accommoder. On va les limiter à des business, des réunions, pas de party privée. Party privée, c'est vraiment une activité bien sociale, puis vraiment, ils devraient être découragés pour ne pas se rendre malade. Fait que là, on ne permet pas les activités familiales. Ouais. Je pense que, les gens sont raisonnables, au bout de ligne, là, faut les autres, ils regardent les nouvelles, puis ils lisent le journal, ils peuvent pas dire que c'est rien que nous autres qui font ça, puis que nous autres, on n'est pas raisonnables. Fait que je pense que les gens ne seront pas si choqués que ça contre les décisions qu'on vient juste de faire là je pense. Oui. OK, c'est bon. OK, on a changé pas mal de position. C'est correct. Je voulais venir discuter avec vous. Je trouve que c'est important. C'est un sujet assez important. OK, laissez-moi voir ici si je vais bien réussir ça. Là. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE1220 tel qu'amendé, portant sur les locations des salles en période de pandémie. Qu'il soit aussi résolu qu'aucune activité familiale ne soit permise, mais plutôt qu'on permette des réunions d'assemblée annuelle pour des corporations. OK. Alors, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Alors, j'ai conseiller Mébé. Bon, on va faire un... Madame Brisson, est-ce qu'on pourrait faire familial / social? Parce que je veux pas qu'on vise les familles nécessairement, là, mais une activité qui est plus de nature sociale. Un papier, vous êtes correct avec cette correction? Même chose avec pour entreprise, comme c'est des réunions, comme pas juste de l'assemblée annuelle, mais si c'est des rencontres, comme je pense à l'exemple de la joie, par exemple. Oui. Assemblée annuelle ou rencontre. Rencontre d'affaires. Question au niveau d'une funéraire. Ça peut arriver encore, mais est-ce que vous considérez une funéraille? C'est bien du social. Moi, je le mets dans la classe familiale. Oui. Parfait. Non, c'est pour ça que je voulais juste avoir la classification. Ouais. Parce qu'encore en fin de semaine, j'étais en funéraille à Ventliquet, puis il n'y avait pas d'assemblée après. Papa? On n'a pas eu une demande pour une depuis la pandémie, honnêtement, là, mais... Et la plupart, ils s'organisent à la maison, quelque part, petit et privé. Mm-hmm.
OK. Ça, c'était proposé. Puis tout le monde d'accord? Oui. OK. Good. C'est fait. Merci, Mme Scott. OK. Le prochain 7.4, c'est juste pour information. Il n'y a pas de résolution, rien d'attaché avec ça. Oui, j'ai une résolution. Juste pour l'envoyer au Comté-Unis. Bien, c'est déjà été accepté, attendu qu'il soit... Ouais. On les supporte. On les supporte. OK. S'il vous plaît, oui, alors qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation appuie la résolution numéro 2020-166 des Comtés unis de Prescott et Russell afin qu'il paie les frais de cotisation au nom de l'AFMO et ce, incluant les 8 municipalités locales. Proposé par? Oui. Alors, conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Fogg. Okay. Merci. Tous d'accord? Oui. OK, oui. All right. 8.1. Il y avait quelqu'un qui voulait supporter la demande d'extension conformité et accessibilité au site web de la part de la ville de Amherstburg. Je pense que Mme Brizard a oublié de parler un petit peu là-dessus. Oui, mais écoutez, c'est que la municipalité, ben, d'ailleurs, toutes les municipalités et toutes les corporations publiques doivent se conformer... pour leur site web, pour respecter les lois sur l'accessibilité. Alors, le village ou la ville d'Amherstburg ont eu la très bonne idée de demander au ministère là, de rallonger la période parce que ça devait être fait pour le mois de janvier 2021. Alors, puis on leur avait demandé, ben je crois l'AMO avait demandé que ça soit repoussé. Ils ont refusé. Là, il y a plusieurs municipalités là, qui vont se mettre ensemble pour demander que ça soit vraiment repoussé là, en 2022. Au moins donner un an. Oui. Qu'est-ce que ça représente au niveau des... Parce que c'est les... accommoder les personnes qui ont des problèmes, soit de vision. Exact. De... Mais je vais laisser Mme Roy, qui a travaillé là-dessus, là, je vais lui laisser parler de ça. Puis, je veux aussi rajouter que il va y avoir un item au budget pour refaire notre site web pour qu'il soit conforme. Alors, il va y avoir des argents là, qui vont être mis au budget. Puis ça va être discuté là, au budget, les réunions budgétaires. Oui, donc bref, et en gros, juste pour faire le survol, c'est un standard qu'on doit atteindre. C'est comme le WCAG 2.0AA. Dans le fond, c'est pour faire sûr que toutes les images ont une description, que le contraste de nos pages web sont... au bon niveau, que le titre, de comme la grandeur et le texte qu'on utilise soit accessible. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il faut tout reviser, faire sûr qu'on est accessible. C'est pour aussi faire sûr que les gens avec différentes sortes de... comme genre les personnes qui ont besoin d'un text reader peuvent quand même lire le site web. OK. Des personnes qu'ils peuvent pas voir... comme la dyslexie, du blanc sur noir, noir sur blanc, etc. Donc, c'est juste pour adresser ces genres de like, technical issues-là qu'ils peuvent avoir. Je pense que, en gros, c'est pas mal ça. Oui. On a vérifié notre site web. Il y a plusieurs choses qu'il faut changer. Et comme José a dit, on va le mettre dans le budget, justement, pour qu'on puisse régler tout ça. Est-ce que ça peut avoir un impact sur, disons... tout ce qu'on fait à l'avenir par rapport à la documentation qu'on met sur notre site web? Oui, en effet. Donc, les changements vont s'adresser à deux choses. Donc, le site web tel quel, donc les images, le texte, mais aussi tout le contenu. Fait que tous les PDF qu'on met sur le site web, tous nos formulaires, les règlements numérisés. En ce moment, c'est juste numérisé. Ça ressemble à une image. Fait que les text readers ne peuvent pas le lire. Donc, nous ne sommes pas accessibles pour une grande partie de la documentation sur le site web. Donc, tout ça, tous nos agendas, procès-verbaux, il va falloir convertir et tout changer dans le but d'être accessible pour tout. Là. D'accord. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup d'ouvrages, oui. Okay. Mais on regarde aussi à des logiciels qui vont nous permettre à les convertir plus rapidement.
on va mettre en place des gabarits pour que ce soit plus facile aux autres de faire leur formulaire ou leur rapport au conseil. D'accord. OK, wow. OK. Puis j'imagine qu'il n'y a pas de fonds supplémentaires qui sont accordés aux municipalités pour faire ces changements-là. Évidemment que non. Ça, c'est ce qu'on appelle le wishful thinking. Oui. Merci beaucoup. Oui, désolée, j'aurais pu avoir un peu. Non, c'est bon. C'était très excellent. Bien, c'est très bien. Merci. OK, good. Merci. Là, vous avez une meilleure idée, là. Mm-hmm. C'est quoi? Okay. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation appuie la résolution. Ah oui, je l'avais déjà lu. Est-ce que... Non, je ne l'avais pas déjà lu. Je m'excuse. Appuie la résolution 2020-09-14-281 portant sur une demande d'extension de conformité à la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, proposée par... Oui. Conseiller Mainville et appuyée par... Oui. Conseiller Ford. Merci. Merci. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Alors, on va s'assurer d'envoyer ça aux personnes nécessaires. Parce qu'avec cette année remplie du COVID, là, c'est plus dur. OK. On passe à l'item 12.1, règlement 88-2020. Oui. OK. Alors... est-ce que vous voulez attendre pour M. Laflèche ou on passe... Bien, ça, c'est... C'est un règlement, là. Oui, bien, c'est là ce que le directeur d'urbanisme, il va chercher la largeur du chemin légal. Puis, c'est quand il arrive des développements, on passe tout le temps ce règlement-là pour faire sûr que l'emprise de chemin est préservée. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 88-2020 est un règlement pour dédier un élargissement de chemin pour la rue Hébert comme chemin public à l'intérieur du système de route de la municipalité de la Nation, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. On l'a passé. On l'a passé. Non, pas de question. Okay, merci, M. Laflèche. Bon, tous d'accord là-dessus, cette proposition? Oui. All right, OK. 13.1, compte payable. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 octobre 2020, pièce justificative numéro 19, 984 000 $133 je m'excuse, et 64. Alors, c'est 984 000 $133 et 64 sous. Proposé par? Envoyé donc. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Questions, commentaires sur les comptes payables? Non? OK. Tous d'accord? Oui. OK. 14.1. Demande d'extension au règlement sur le bruit. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la demande de Maxime Surprenant pour une exemption au règlement sur le bruit de 23 heures le 11 octobre 2020 à 2 heures le 12 octobre 2020 pour un mariage. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseillère Lantier. OK. Proposé, appuyé. Question. On a donné quelques-unes depuis quelque temps. Y a-t-il des plaintes? Non. Oh, non, je n'ai pas rien entendu. Moi okay. non plus. C'est bon. Le monde sont respectables. All right. D'abord, tous d'accord? Oui. OK. 14.2. Festival de la Curse qui nous donne leur idée pour l'année 2021, ça, c'est? Alors, okay. c'est juste abus budgétaire, là, pour, ouais. Exactement, pour le budget 2021. Alors, ça va être noté dans le budget. Faites sûr que Madame Maisonneuve... Oui, ouais, mais c'est juste, j'aimerais avoir une résolution moi, pour... Si le festival a lieu l'année prochaine, j'irai avec la même chose qu'on avait dit l'an passé, là, 1 000 $ okay. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil s'engage à remettre un don de 1 000 au Festival de la CURD en 2021 et que cette somme soit mise au budget de 2021. Proposé par oui. Conseiller Forgue et appuyé par oui. Conseiller Mainville.
OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Les rapports mensuels. Bureau de santé de l'Est Ontario. Habit plan. Hein? Non, qui est oublié, c'est Marvin. Oui. Comment on fait toujours? Non, pour l'église de Fournier. L'amicale de Fournier, c'est-à-dire? 14.2. J'ai-tu... Il manque-tu une page ici? Il manque une page. Moi, je l'ai. Est-ce que c'était bien à l'agenda, par exemple? Festival de la Curte, c'est moi, oui. Juste en dessous. Il l'est pas. Ah. Dessin. Non, ça, c'est... Fire Chief. OK, non. Non, il est, c'est parce qu'il n'est pas sur l'agenda. Pardon? Il n'est pas sur l'agenda, mais il est dans notre... Il est dans notre chose. Ben moi, j'ai downloadé l'agenda du site web. Il n'est pas marqué sur l'ordre du jour, mais... Ben, OK. Emo. Est-ce que vous avez reçu un courriel? Non. Payable, Maxime Sepreneur, Festival de la Curde. Descends encore, là, tu parles ici. Hein? Moi, je ne l'ai pas. Toi, tu ne l'as pas? Non. Tu l'as, toi? Moi, je l'ai. Mm-hmm. Attends. Peut-être que j'ai d'autres documents cool. Ici. Emo. Infolette. 68. Non. Ah, oh, attends, mais il est... Ah, oh, c'est parce qu'il est peut-être juste sur l'agenda en français. Non, c'est le même document que les deux. Il est à la page 68. Ben, attendez. Je vais fermer ça. M'aller online. Ah non, pas là. OK. Société. Non, il n'est vraiment pas sur l'ordre du jour, mais il est dans notre package. Il est dans, dans la documentation. Okay. Festival de la Curve. OK. Qu'est-ce que tu voulais voir, François? Je l'ai ici, là. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Juste regarde en dessous. OK. Mais là, OK. Ça, c'est pour l'Église Saint-Bernard. On ne parle pas de la Curde, là. Non, non. Ça, c'est l'amicale de l'Église Saint-Bernard, okay. Ouais. C'est deux affaires différentes. Okay. Oui. Montre-moi ça. Il me semble que je l'ai vu, ça. Quelque part aujourd'hui. All right. Okay, ça. Comme ça va être une autre résolution séparée. Une demande de don. Oui. Ça, c'est 68, c'est l'amicale de Saint-Bernard. 67, c'est le Festival de la Curse, mais les deux sont sur 14.2. Oui, c'est okay. Ça. Les deux sont... Alors... Est-ce que l'amicale peut attendre à la prochaine réunion? Oui. Ou je peux, on peut le faire là, si vous voulez. Je l'ai ici, là. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse des photocopies? Moi, on a le document. Autres, c'est juste qu'il n'est pas... C'est juste qu'il n'a pas été ajouté à l'autre. Je pense que ce qui est arrivé, les deux documents ont été sur le même point de la festival de la Curde, puis dans le fin fond, là. C'est deux choses séparées, là. OK, on va le ramener à la prochaine réunion. Est-ce que ça vous va? Ouais. Elle est dans le... Oui. OK. Oui. Si on peut le rapporter, s'il vous plaît. Oui. All right. OK. Là, on passe à 15.1. Les bureaux de santé de l'Est, ça, c'est des rapports mensuels. Et puis l'AMO, tu as des questions là-dessus? Okay, non, rien de vu. Correspondance. Avez-vous des questions sur les correspondances? Correspondance gouvernementale, on a une.
et avec les groupes, secteur privé, EMO et puis TPRT. Commentaire? Non. D'abord, on va accepter les correspondances. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 5 octobre 2020 soit reçue, proposée par? Oui. Conseiller Brière et appuyée par? Oui. Conseiller Faure. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Les événements à venir, okay, réunion le 19 octobre, et puis pour le budget, le 22 et le 23. Et aussi, réunion publique zonage le 26 octobre à l'Hôtel de Ville. On a-tu une heure pour ça? Le 26 octobre, c'est à 18h. 18h, oui. Est-ce qu'on a une réunion pour le budget le 26? Non. C'est seulement le 22 et le 23. Mais je pensais que Mme Maisonneuve nous avait demandé... Moi, j'avais dans mon agenda qu'elle avait demandé une troisième date. Okay. C'était le 26. OK. Je vais vérifier. Est-ce que je suis la seule? Moi, j'ai seulement 22-23 pour le budget. Ah. Moi aussi. Peut-être que le 26, c'était une journée potentielle. C'est une journée. Ça que moi, j'avais compris le 26. OK. C'est une journée. Alors, ça n'avait pas été confirmé. Non, mais non. On va en avoir besoin d'une troisième, ça c'est sûr, mais après la deuxième session, on peut planifier. Oui, OK. All right. Ça, c'est pour les événements à venir. Et le 22 et 23 octobre, 9h, ça vous convient? Mm-hmm. OK. C'est bon. OK. On va poser une résolution pour aller à huis clos. Oui, alors qu'il soit résolu que la présente assemblée soit journée... 5h25, 17h25, pour une session à huis clos aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239-239-2, portant sur l'acquisition ou la disposition de terrain. Alors, je vais nous mettre en huis clos, si vous voulez juste attendre une minute.
OK, thank you. OK, on va retourner à l'Assemblée. OK, alors qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit réouverte à, 5h47, proposée par? Oui. Conseillère Lantier et appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. OK, merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. OK, là, on sort du huis clos et puis on a parlé des... La réception du procès-verbal, la réunion tenue le 14 septembre. Une petite discussion, c'est ensuite. Puis l'autre item était la vente de terrain, une offre d'achat qu'on a eue, qui va être amenée à la prochaine assemblée. D'accord. Alors, concernant le point 18.2, j'ai une résolution à lire en public. Attendu que le conseil municipal a déclaré surplus des terrains du lotissement Innovation sous la résolution 169-2019 et attendu que le conseil municipal a autorisé l'administration municipale de vendre les terrains du lotissement Innovation, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'offre soumise et reportée dans la note de service DIV-8-2020 ainsi que les recommandations 1 et 2 du SAT. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Forgue. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Merci. D'abord, l'item numéro 19. Règlement confirmé procédure. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 94-2020 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion régulière du 5 octobre 2020 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseillère Lantier. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Good. Puis là, l'ajournement à 15-17. Excusez. 15-43. Non, à 17h. Ben 17 moi, heures. J'ai 17h40. Non, 17h, oui. 17h49. Okay. Oh, je me suis presque échappé. OK. Alors, proposé par? Oui. Alors, conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci, madame et messieurs. Okay. On est terminé.